Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va réviser le passé simple en français. Introduction. Le passé simple est utilisé pour décrire une action qui a eu lieu et qui s'est achevée dans le passé. Exemple. En regardant ces vieilles photographies, il se souvient de son enfance. Conjugué au passé simple, un verbe conserve toujours le même radical, contrairement à d'autres temps, mais sa terminaison varie en fonction du sujet de la personne. Première conjugaison, radical plus e, a, am, at, er. Deuxième conjugaison, radical plus i ou an, i ou an, i ou an, im ou am, it ou ant, ir ou anre, courir et mourir. Radical plus u, 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 um, ut, ir. Autre verbe, radical plus voyelle, i ou u. Il y a toujours un accent circonflexe à la première et à la deuxième personne du pluriel au passé simple. Formation du passé simple. Verbe du premier groupe. Radical plus e, a, a, am, at, er. Emma, 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 emam, emat, emer. Verbe du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, dont l'infinitif se termine par ir et dont le participe présent s'achève en isant, par exemple fini, finissant, se conjure normalement en i. Fini, 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 finim, finit, finir. Observez que les deux premières personnes du singulier définies sont égaux que celles du présent d'indicatif actif. Verbe du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, tels que recevoir, rendre, dormir, mettre, etc., se conjurent normalement en U, mais aussi en U. Croire. Je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. Pouvoir. Je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous putes, ils, elles, purent. Mais attention à voir. Je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes, ils virent. Les verbes courir et mourir se conjurent en U. Couru, 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 courum, courut, courur. Mourir, mouru, 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 mourum, mourut, mourur. Les verbes du troisième groupe, tenir et venir, ainsi que leurs composés, contenir, revenir, etc., ont un passé simple en un. Tenir. Je tends, tu tends, il tend, nous tendons, vous tendez, ils tendent. Venir. Je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, ils, elles vendent. Il n'y a pas de règle pour savoir si un verbe a une terminaison avec i ou u. Il faut malheureusement apprendre la liste par cœur.